On peut pas s'approcher plus que ça. T'as pigé tous les détails? Ces plans de dernière minute, ça me stresse. Ça devrait aller. Je me débrouillerai. Alors fais attention. T'es une vraie mère poule, dis-moi. Fisher, votre mission est de sauver un certain Ivan. Quand Grimms Dottir s'est fait repérer sur le serveur de Kalina Tech, les mercenaires de Nicoladze ont pris peur. Ils déménagent et effacent toutes les traces de l'agence, y compris Ivan et ses camarades. Qui est Ivan? Un des hommes de Nicoladze, un programmeur. Ils descendent leurs propres hommes? Des éléments compromettants. Trouvez-le le premier. Consultez votre montre terminale. Du cinquième étage est sécurisé, on passe au sixième. Combien de clés de cryptage vous avez récupérées? Ça en fait 7. Tu es sûr qu'il est mort? Tu rigoles! On voit son cerveau! Évidemment qu'il est mort! Et son machin de cryptage, là? La clé? Oui, la clé de cryptage. Je l'ai détruite! J'ai un cadavre ici! Fisher, ces clés de cryptage sont top priorité. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais trouvez Ivan avant les hommes de Nicoladze.
repérer l'ennemi. Des joujoux qu'il me donne. Tu es obsédé par ces trucs-là. Avoue que c'est des beaux jouets. Oui, mais si on en pose trop, c'est dangereux. Évidemment, c'est mieux. Il y a un cadavre ici. Tirez les verres du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. Geste brusque. Il me faut une clé de cryptage. On n'en a pas. Et je devrais te croire. Il y a une bombe. Quoi? Les Spetsnaz ont mis une bombe afin de détruire toutes les archives. Le seul problème, c'est qu'elle est située juste à côté des tuyaux de gaz. Ça va faire sauter tout l'étage. Sur les plans du bâtiment. Son histoire de tuyaux de gaz, c'est du sérieux. Je suis en route. Dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ah, ah.
Bien joué, Fisher. Ça aurait pu mal se terminer. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai piraté le circuit électrique. Quelqu'un a actionné le disjoncteur de la porte coupe-feu. Vous ne pourrez pas ouvrir les portes tant que vous n'aurez pas trouvé le disjoncteur. Consultez votre montre terminale.
cadavre ici. Vous pouvez parler? Je veux pas mourir ici. C'est vous, Ivan? Vous avez une clé de cryptage? Ils me l'ont prise. Ils l'ont détruite. Ils sont devenus fous. Je comprends pas. Il faut que je trouve un certain Ivan. Il s'est enfermé derrière les portes coupe-feu du bâtiment. Alors, il doit être au cinquième étage. Merci. Merci pour votre aide. J'ai froid. Oh. Qui tu parles? Qui est au bout du fil? Non, je vous en prie. À qui tu parlais? Tenez. Je me fous de ton téléphone. Je veux que tu me dises à qui tu parlais. Je sais rien. J'ai cru que c'était les flics, mais... À qui étais-tu en train de parler? Je sais pas. Je te laisse. C'est vous, Ivan? Je... Oui. Vous êtes américain? Vous êtes la police? Oui et non. Les flics sont en route. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, je suis votre seul ami, et pas le meilleur en plus. Il faut partir! Vite! Ils vont bientôt nous trouver! Je suis pas là pour ça. Donnez-moi votre clé de cryptage. C'est pas ce qui était convenu! Les fédéraux vont vous sortir d'ici vivant, mais d'abord vous devez me donner cette clé. C'est pas ce qui était convenu avec la femme que j'ai eue au téléphone! Écoutez, est-ce que je viens vous expliquer comment tuer des civils, moi? Quoi? Non. Alors venez pas mettre le nez dans mon boulot. Les fédéraux sont en route. Ils sont peut-être même déjà arrivés. Ils vont vous tirer de là. Donnez-moi la clé ou je serai obligé de vous la prendre. C'est pas ce qui était convenu! Vous manquez de vocabulaire, mon vieux. Allez, donnez-moi cette clé. Je suis crevé, et je déteste faire crier les gens. Ça me déprime. Tenez. Merci. Et en attendant les fédéraux, trouvez-vous une meilleure planque? Nom de Dieu! Fisher, je crois que ça va vous plaire. J'aime pas du tout quand vous dites ça. Les Russes tiennent tout le dernier étage. Vous allez devoir faire du ménage avant que l'Osprey puisse se poser pour votre extraction. Qu'est-ce que ça a donné? Comment ça? En bas!
Combien de types vous avez buté? Un peu de respect. C'est vous que je veux respecter. Alors, deux, trois chacun. J'en ai tué un, et lui quatre. Oh nom de Dieu, quatre! Du beau boulot! Oui, bon. Et toi? Mais comment? Fumer. Quand ça? Ça fait 2 minutes qu'on pointe ici et je t'ai pas vu fumer. C'est bon, laisse tomber. Tu te fais...
cadavre ici.